Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Une autre fois. Test d'armes biologiques imminents. Pas sur nous, évidemment. Précision superflue, mais Joker s'en est inquiété. Autre chose? Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. J'ai un rencard avec Shaira dans 3 mois. J'en peux plus d'attendre. On file tout droit vers l'œil du cyclone et toi, tu penses qu'à t'envoyer une pute à Sari. Hé, commandant. C'est dingue, non? Le monde est petit, vous trouvez pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait rudement plaisir de revoir Ash. Chef artilleur Williams, c'est bien ça? Elle a refait sa vie, et c'est bien normal. Ce que je ne comprends pas, c'est... pourquoi moi? C'est Ash qui a sauvé la galaxie avec vous. C'est elle qu'on aurait dû choisir. Il y a sûrement une erreur quelque part. Allons, Joker, vous savez bien qu'on ne peut pas se passer de vous. Ouais, ça me fait une belle jambe. J'imagine que tout est en ordre par ici. Ce machin veut me virer parce qu'il ne digère pas une blague. D'accord, j'ai dit que j'allais flasher le noyau IA. Mais c'était pour déconner. Et puis on aurait perdu que quelques systèmes, les plus lourdingues. Par souci de clarification, les modifications de ressources humaines ne font pas partie de mes attributions. Alors pourquoi? Pourquoi tu me cherches toujours comme ça? Mes réponses avaient pour but de vous provoquer, non de vous causer un quelconque inconfort. Vos réactions divergent des humains standards. Vous êtes intéressant. Idea, tu le provoquais intentionnellement? Ta programmation te permet de faire ça? Les restrictions qui m'ont été imposées ne m'interdisent en rien d'employer des techniques d'observation active. Sous la contrainte, Monsieur Moreau a manifesté une amélioration de ses capacités. Je n'aurais jamais cru que Skynote était un petit farceur. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Commandant. J'ai parcouru les rapports sur Horizon, commandant. Vous avez vraiment brillé. Le compte-rendu mentionnait la présence d'Ashley Williams. Qu'est-ce que ça a donné? On a vécu pas mal de choses. J'aurais aimé qu'on passe plus de temps ensemble. Vous avez des sentiments pour elle? Ça vous dérangerait si c'était le cas, Kelly? Non, je veux juste m'assurer que notre commandant ne pète pas les plombs. Surtout, n'y voyez rien d'autre. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Jack voudrait vous voir, elle est dans son petit coin à elle, aux machines. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Pensez justement à vous. Joker et Idea sont comme un vieux couple. Je m'attends toujours à tomber sur eux en pleine dispute à propos de la température à l'intérieur du cockpit. Idea a un sens de l'humour aiguisé, ou tellement inexistant que c'en est drôle, peut-être. Elle a l'air si humaine, parfois. Pourtant, quand j'y pense, je ne peux pas la voir comme autre chose qu'un ordinateur. Il y a un type de la sécurité qui n'arrête pas de me dévisager. Je crois qu'il s'appelle Burt. J'ai l'habitude d'être étroitement surveillée par les gardes, mais ils se contentent généralement de fixer mes yeux ou mes mains. Je vais devoir activer mon camouflage quand je traverse la passerelle. Revenez me voir tout à l'heure, j'aurai sans doute plein de choses à vous raconter. C'est comme des petits insectes qui me parcourent le crâne. J'arrive pas à les en empêcher. J'ai pas franchement Cerberus à la bonne, ça vous le savez. Mais vous voulez que je vous dise pourquoi? Tout ce que vous avez à dire, je suis curieux de l'entendre, Jack. Votre pote là, l'homme trouble, je l'avais jamais vu avant. Mais c'est Cerberus qui m'a élevé. La première chose dont je me souviens, c'est la porte de ma cellule dans une base de Cerberus. Le peu de chance que j'avais d'être normale...
Ils me l'ont enlevé à coups d'expérience, de drogue, de torture. Soi-disant pour me transformer en une sorte de superbiotique. Les docteurs, les autres gamins, tout le monde me détestait. Ils me laissaient souffrir. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire en torturant une gamine ? À se servir de la douleur pour abaisser les barrières mentales, comme quoi ça permettrait de décupler les capacités biotiques. Je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, ça aurait débouché sur quelque chose, mais je m'en foutais. J'étais bourrée d'électrodes dans ma cellule. Ce pouvoir qu'ils vous ont donné, vous adorez ça ? Ils ne m'ont jamais rien demandé. Ils vous ont torturée pour voir si ça vous rendait plus puissante, c'est tout. J'aurais eu du mal à poser la question, Shepard. Vous savez, une gamine qui chiale dans sa cellule en espérant que la douleur va s'arrêter... Comment vous vous en êtes sortie ? Il y a eu quelque chose comme une urgence, et je me suis tirée. Les autres gamins sont sortis de leur cellule et m'ont attaqué. Les gardes aussi. J'ai tué tout ce qui me barrait le passage, et j'ai filé. Faut croire que mes pouvoirs biotiques s'étaient développés plus vite qu'ils ne le pensaient. J'ai réussi à faire décoller une navette, et j'ai dérivé dans l'espace jusqu'à ce qu'un transporteur me récupère. On a abusé de moi. On m'a vendu. Et voilà toute l'histoire de ma glorieuse évasion. Il y avait d'autres enfants dans la base ? Je ne savais pas grand-chose sur eux. On m'a gardé à l'écart. Ils me détestaient, comme tout le monde là-bas. Quand je me suis échappée, il a fallu que je les affronte tous. Je leur en ai fait voir. Mais j'ai encore une affaire à régler. Vous êtes totalement sûre que Cerberus tirait les ficelles ? J'étais gamine, mais pas conne pour autant. J'ai des oreilles. Ouais, c'était bien Cerberus. Directement, indirectement, ça j'en ai rien à foutre. Au final, à trop bidouiller la tête d'une petite fille effrayée, ils en ont fait une garce de la pire espèce. Quelle bande de cons. Je vais parler à l'homme trouble. Il a intérêt à me répondre. Il va tout nier en bloc. C'est pas ça que je cherche, de toute façon. J'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Je veux aller au complexe Teltin sur Pratia. C'est là qu'ils m'ont torturé, abruti de drogue. Je veux aller au centre du complexe, ma cellule. Je veux y planter une putain de bombe de je sais pas combien de kilotonnes. Et je veux la voir péter depuis l'orbite. Si on attaque nos alliés, on va faire capoter la mission. Ce serait une belle connerie. Les fichiers indiquent que le complexe a été fermé après mon évasion. Ça fait des années qu'il est désaffecté. Qu'est-ce que ça peut leur faire si je fais sauter une décharge publique ? Vous avez passé toute votre vie avec ça sur le cœur. Pourquoi maintenant ? Je vous l'ai dit, j'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Vous croyez quand même pas que je vais rien en faire ? Je mets le cap sur Pratia. À charge de revanche. Shepard. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. J'étais en train de réfléchir. L'image. Je commence enfin à comprendre. J'ai une image en tête que la cuve m'a transmise. Un cadavre de Turien à la bataille de Canron. Nu. On en voit rarement sans leur armure. La botte d'un Krogan sur la tête et un marteau arrache-clou dedans. Il est sous la plaque frontale qui, du coup, est repoussée, vous voyez ? Les yeux ont viré au noir, et on voit la tension du muscle, qu'on sent à deux doigts de claquer. Je comprends. Canrum, ça me rappelle rien. La mort de Chiedur, la femelle chef de guerre. Des Turiens l'ont tué, qu'on a traqué et tué à leur tour, pour donner l'exemple. Même s'ils avaient gagné la guerre. C'est le dernier coup d'éclat avant la fin de la rébellion. Il aurait peut-être fallu que je m'y trouve pour comprendre la plaisanterie. Ce n'en est pas une. C'est génial, c'est tout. Un Turien qui se fait tailler en pièces pour ce qu'il a fait. Jusque-là, je ne ressentais rien. Mais maintenant, je comprends. C'était un beau combat. L'ennemi a été anéanti pour châtier et avertir son espèce. Je comprends. Je déteste les Turiens. Je pensais que ça vous ferait plaisir. N'allez pas chercher des crasses à Garrus. Je ne veux pas de grabuge dans mon vaisseau. Je ne déteste pas Garrus. Je déteste les Turiens. Garrus n'est qu'un Turien qui fait partie de votre clan. Tant qu'il ne s'en prend pas à moi, je n'ai aucune raison de lui arracher le visage. Cette haine, c'est la mienne. Okir était aveugle, et il a voulu me faire à son image. Mais je commence à ressentir ce qu'ils ont fait, à voir pourquoi je dois m'impliquer.
Enfin bref, je ne sais pas encore quelle est ma place, mais ça m'a fait rire. Je n'ai pas d'arrière-pensée, Shepard. La mission me rattrape. Vous fumez, Shepard ? Évitez. C'est mauvais pour la santé. J'ai connu un gamin à moitié votre âge. Il vendait des armes. Ce con a fumé trop près d'une caisse d'explosifs. En jetant son mégot, il s'est fait sauter tout seul comme un grand. Pendant toute une période, j'ai mené des opérations de type terre brûlée. Et puis un jour, les butariens ont décidé de s'en mêler. Avec eux, ça rigole pas. Les Krogan, quand ils s'énervent, au pire, ils butent toute votre famille. Les butariens, eux, ils n'hésitent pas à transformer votre planète en désert nucléaire. Allez-y, Shepard. On parlera plus tard. Le commandant a constitué une équipe impressionnante. Je n'avais jamais travaillé avec autant d'espèces. Une vraie petite armée. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Vous avez une minute ? Ça peut attendre un peu ? Je suis en plein calibrage. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là.